Eh bien, bonjour et bienvenue à cette conférence sur les portails. Donc, les objectifs de cette présentation sont de faire découvrir le portail pour les gens qui ne connaissent pas ce concept, de voir aussi les évolutions du portail depuis la création de ce concept dans les années 2000, et enfin de voir quel est l'intérêt d'utiliser un portail en 2014. Donc, avant de commencer, je vais quand même me présenter. Donc, je m'appelle Emmanuel Pavot. Je suis consultant, formateur chez Auxiane. Et pour ma part, j'ai commencé l'aventure du portail en 2001 sur une étude sur les différents portails qu'il y avait à l'époque. Et après cette étude, j'ai participé à de nombreux projets sur les portails, en société de service ou chez les éditeurs. Notamment, j'ai été chez BEA et Oracle en tant que consultant portail. Donc, le sommaire. Donc, on va voir un petit peu cette présentation, un peu le sommaire de cette présentation. Donc, avant de commencer dans le vif du sujet, une chose intéressante, c'est de comprendre pourquoi on est arrivé à cette notion de portail, et donc de revenir sur l'historique du portail. Voilà. Après, je vous présenterai, je définirai ce que doit être un portail. Je vous présenterai par la suite les portlets et les widgets, donc ça va être des unités qui vont permettre de créer des applications de portail. On poursuivra par l'intérêt, donc quelles sont les fonctions attendues du portail et les cas d'utilisation classiques du portail. On fera un panorama des différentes offres du marché qui sont disponibles. Et enfin, pour conclure, pourquoi il est intéressant de choisir ces outils de portail en 2014 et d'imaginer le futur du portail après. Donc déjà l'historique. Donc il faut comprendre qu'au début des années 2000 ou même un petit peu avant, avec l'arrivée d'Internet et de ces technologies Internet, à savoir tout ce qui est intranet, extranet, on a vraiment eu une explosion du nombre de sites en entreprise. Avec pour effet que tous les utilisateurs étaient obligés de se connecter à de multiples applications. C'est-à-dire quoi? Un utilisateur, il devait se connecter à une première application, par exemple, pour récupérer les informations de l'entreprise. Puis il est obligé de se connecter à une deuxième application pour avoir ses informations RH, par exemple. Et de se connecter encore à une autre application pour faire son travail quotidien. Donc, de là est apparue la notion de portail en se disant ce serait intéressant d'avoir une application qui permet de regrouper toutes les informations les plus utiles pour l'utilisateur, au lieu d'avoir comme ça, à chaque fois, aller se connecter à différentes applications. Donc, au début des années 2000, il y a eu l'apparition de ces offres de portail et puis vraiment une explosion. Je me souviens, donc, dans l'étude que j'ai réalisée à l'époque, il y avait environ 60 offres de portail différentes. Donc, il y avait vraiment une explosion parce qu'il y avait un marché qui était intéressant et tout le monde a voulu faire du portail à l'époque. Il y avait trois types d'acteurs de portail. Il y a ce qu'on appelle les pure players. Donc, c'est des éditeurs qui sont nés avec leur offre de portail. Donc, éditeurs connus, je ne sais pas si ça peut vous dire grand-chose, mais en tout cas, qui étaient connus à l'époque, il y a eu Plumtree, Vignette, Hemingbird et d'autres. Il y a aussi comme éditeurs de portail tous les éditeurs d'infrastructures que l'on connaît bien, type IBM, BEA, Microsoft et d'autres. Et puis enfin, tout ce qui est éditeur métier, tels que SAP, PeopleSoft. Donc voilà, donc il y a eu vraiment tout un microcosme, tout un écosystème, pour être exact, avec de nombreux éditeurs. Et forcément, lorsqu'il y a trop d'individus dans un écosystème, forcément, il y en a qui vont disparaître et il va y avoir une consolidation de l'offre. Donc, c'est ce qui est arrivé, on va dire, de 2001 à 2005, dans lequel il y a eu beaucoup de rachats, donc de sociétés éditrices de portail par d'autres. Donc, typiquement Plumtree. Donc, Plumtree, c'est une solution de portail qui était intéressante, qui a eu beaucoup de succès aux États-Unis, dans lequel il y avait des gens qui créaient des portlets et qui arrivaient à les vendre à d'autres entreprises. Ça a été racheté donc par BEA, qui lui-même s'est fait racheter en 2008 par Oracle. Et il y a d'autres cas comme ça. D'autre côté aussi, le portail a évolué avec des notions de portail Web 2.0 et donc il a évolué aussi vers tout ce qui est travail collaboratif, par exemple les wikis, forums, des agendas partagés, etc. Puis après, encore une autre phase, il s'est ouvert aux réseaux sociaux. Donc voilà un petit peu pour l'historique, les grandes étapes qu'on peut constater sur le portail. Grande question, c'est quoi un portail? Donc,
Chose intéressante, c'est de voir un petit peu tous les outils qui ressemblent à un portail, où souvent on confond le portail avec d'autres outils, notamment le CMS. CMS et le portail n'ont pas du tout la même vocation. La vocation du CMS, c'est réellement de créer du contenu. Donc les CMS vont aussi avoir la possibilité de créer des sites et d'exposer le contenu qu'ils ont créé, mais la vocation première du CMS, c'est de créer du contenu. La vocation du portail n'est pas de créer du contenu, c'est d'afficher des informations. Ça peut être des informations de contenu, mais ça peut être aussi tout type d'informations. Et donc d'agréger ces informations pour les présenter à l'utilisateur. Donc deux choses quand même différentes. Mais il y a dans le portail cette problématique de CMS, donc de gestion de contenu, qu'on rencontre assez souvent. Un autre outil qui est plus proche du portail, c'est ce qu'on appelle les outils de syndication de contenu. Donc ici, je ne sais pas si vous connaissez, ça c'est NetVibes. Donc NetVibes, ici, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'on a un certain nombre de petites fenêtres, et chaque fenêtre va récupérer du contenu qui provient de différentes sources de données. Donc une chose importante là-dedans, c'est l'agrégation de ces différentes sources de données. On peut aussi, une chose intéressante, c'est gérer de la personnalisation. C'est-à-dire que l'utilisateur, il va pouvoir choisir forcément les fenêtres qu'il rajoute, le contenu d'information qu'il veut voir. Il peut souvent aussi personnaliser le look and feel, donc des choses qu'on va retrouver dans le portail. Mais la grosse différence entre ces outils de syndication, donc tels que NetVibes, quelque chose qui était connu à l'époque, qui était Google, qui permettait de faire la même chose, eh bien, c'est que l'agrégation se fait complètement côté front. C'est-à-dire que le navigateur affiche une page, et après cette page, avec des scripts, JavaScript, on va récupérer sur différentes URL le contenu. Donc toute cette agrégation se fait complètement côté navigateur. On va voir qu'un portail, l'agrégation se fait essentiellement côté serveur. Pas que, mais elle va plutôt se faire côté serveur. Donc il est temps de définir ce qu'est un portail. Donc le portail, ça va être le point d'entrée unique et personnalisé de l'utilisateur pour les informations et la communication. C'est-à-dire que le portail va pouvoir présenter des informations, donc de contenu fourni par exemple par un CMS, de flux, par exemple des flux RSS, etc. Donc des informations. Ça va être aussi le point d'entrée pour les applications et les services donc, qui proviennent du métier, donc des applications back-end. Donc concrètement, il y a des applications qui existent et le portail va permettre de communiquer avec ces applications, par exemple en web service ou par tout autre mode d'intégration, et de rassembler dans le portail, de présenter dans le portail les informations les plus utiles de ces applications. On ne va pas tout ramener dans le portail, mais ce qui est le plus utile pour l'utilisateur. Par la suite, on va aussi avoir tout ce qui est travail collaboratif. Donc, il va permettre du travail en mode projet, souvent, entre utilisateurs. Donc, par exemple, des outils de forum, de wikis, d'agenda, de documents partagés. Donc, tous ces outils-là vont permettre, souvent, de créer des communautés d'utilisateurs qui vont pouvoir se partager un certain nombre d'informations, je dis des agendas ou des documents, et travailler comme ça ensemble. Aussi, le portail, plus récemment, s'est ouvert à tout ce qui est gestion des relations et donc réseaux sociaux d'entreprise, et donc pour favoriser la mise en relation des différents collaborateurs au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est surtout vrai pour des grandes entreprises ou pour des entreprises qui sont des extranets ou ce genre de choses. Donc ici, chose à bien comprendre, qui me paraît, c'est ce schéma. C'est qu'avant l'utilisateur, avant le portail, il était obligé d'aller sur une application de contenu pour voir les informations, d'aller sur une application back-end pour récupérer et faire des actions sur des applications métiers. Puis pareil, de se connecter, collaboration, etc. Donc on peut voir le portail comme étant vraiment une façade vers ces applications. Donc l'utilisateur se connecte au portail et le portail, lui, eh bien, il va récupérer toutes ces sources d'informations, les agréger et les présenter de manière uniforme à l'utilisateur. Donc voilà, le but, c'est pas de récupérer toutes ces informations, c'est de se dire que dans une application unique, on va présenter les informations les plus utiles à l'utilisateur. Donc une page de portail un peu complexe, ça peut ressembler à ça. Donc souvent, on va avoir un header, un menu qui va être généré par le portail, et après, un ensemble de portlets qu'on va pouvoir placer sur la page. Donc ici, on va voir qu'on va avoir une agrégation de multiples sources de contenu qui sont de nature différente. Donc déjà, par rapport à la source de l'information. Donc on va avoir des sources d'information qui vont provenir d'Internet. Donc, par exemple ici, si je prends l'exemple de ce widget, donc
contenu RSS, on peut imaginer que ce contenu RSS, il vient d'un flux provenant de l'Internet. Après, on va avoir des sources d'informations qui proviennent du portail lui-même. Ici, on voit par exemple cette portelette. Et cette portelette, je ne sais pas, on peut imaginer que ce soit une portelette de gestion documentaire. Et cette gestion documentaire, c'est le portail lui-même qui fournit cette application de gestion documentaire. Après, on peut aussi imaginer une application métier back-end. Et là, par un appel web service, on récupère ou on appelle des services qui sont fournis par deux applications en back-end. Donc voilà, des sources d'informations qui sont de nature différente. On va aussi avoir fonctionnellement, ça va être différent aussi. C'est-à-dire qu'on va avoir, au sein de la même page, ou ça peut être sur différentes pages, mais au sein du portail, on pourra aussi avoir des appels d'applications métiers, des applications purement portail, des applications de collaboration, des applications qui présentent du contenu. Donc voilà, toutes ces portelettes vont fonctionnellement avoir une nature différente. Et aussi techniquement, on aura des portelettes qui seront, bon, en tout cas au niveau du portail, on aura des informations qui seront de simples iframes qui vont afficher du contenu provenant d'un site web par exemple. On aura aussi des portelettes donc qui vont s'exécuter côté serveur, qui vont présenter des informations, ou des widgets. Donc les widgets dans un portail va récupérer des informations, mais cette agrégation va se faire côté client. Donc, j'ai justement détaillé un peu plus ces notions de portlet et de widget pour bien comprendre leurs différences et leurs intérêts chacun. Donc le principe des portlets. Donc une portlet, ça va être un composant web donc, qui s'exécute côté serveur, qui va générer un fragment de la page. HTML la plupart du temps. Donc ici, si on part un petit peu sur cet exemple de page, on voit ici que cette page, elle est constituée d'un header, d'un menu. Donc ça va être la structure de la page qu'on va retrouver sur chaque page du portail. Et donc on va voir une zone ici qui est disponible. Et cette zone, on va pouvoir placer des portlets. Donc ici, il y en a deux. Sur notre page, on en aura peut-être quatre. Voilà. On va pouvoir placer des portlets. Et donc, ce qui va se passer, c'est lorsqu'on va appeler une page du portail. Donc on va partir du navigateur, je clique sur un lien, ça appelle une page de portail. Donc il va y avoir une requête HTTP qui va arriver sur mon application de portail. Et un des rôles du portail, c'est de dispatcher cette requête en de multiples portlet requests pour chaque portlet. Et ici, donc la request va arriver sur la première portlet, et cette portlet, elle va générer du contenu HTML qui va être envoyé au portail, puis on va appeler la deuxième portlet qui va générer un autre contenu HTML qui va être envoyé au portail. Et donc tout ça s'est agrégé avec la partie header et le menu. Et tout ça va constituer la page HTML qui va être renvoyée au navigateur. Donc voilà le principe des portlets. Ça va permettre de gérer, d'agréger différentes informations au sein d'une même page. Et on va pouvoir comme ça choisir les informations qu'on veut voir. Donc voilà. Il faut savoir que dans les portails Java, il y a plusieurs normes sur les portlets, donc notamment la norme GCR 286, donc la portlet 2.0. Cette norme, son intérêt, ça permet de définir une API qui est commune à tous les portails. Donc cette API commune, elle va permettre de facilement faire des URL vers les portlets, de gérer toutes les phases de communication avec les portlets. On verra un petit peu après qu'il y a des spécificités qui sont vraiment liées aux portlets, et cette API va faciliter l'interopérabilité sur les portails. Ça permet aussi de gérer le packaging. Donc en fait, une application de portlet va pouvoir être packagée dans un WAR avec un fichier portlet.xml qui va permettre de décrire la configuration de la portlet. Donc c'est un peu l'équivalent du web.xml pour une application web. Voilà, donc cette norme est assez limitée au final. On va pouvoir avec cette norme faire un peu du développement type servlet JSP dans une application classique. Mais cette norme, l'intérêt au départ, c'était vraiment de se dire on va pouvoir créer des portlets dans un portail et facilement passer à un autre portail. Ça, c'est complètement faux. Pourquoi ça? Parce qu'un portail,
En fait, c'est l'exécution de portraits, mais c'est aussi beaucoup d'autres choses qui sont intéressantes dans un portail. Ça va être par exemple comment on va créer les différentes pages du portail. Donc, les portails permettent de créer des pages dynamiquement. On va pouvoir, sur ces pages dynamiquement, ajouter des portraits dynamiquement. On va pouvoir gérer des problématiques de gestion d'habilitation pour tous les utilisateurs. Comment on gère l'accès au CMS, etc. Et chaque portail va avoir des spécificités. Donc, au final, développer avec en portlet, en respectant la norme, ça n'a pas d'intérêt, parce que le gros travail, si on choisit une solution de portail, si on veut en changer, ce sera très compliqué. Le gros du travail, ce sera pas juste d'utiliser les portlets, ce sera tout ce qu'il y a autour. Donc voilà, donc choisir un portail, c'est quelque chose de structurant, et il faut pas croire qu'on va pouvoir facilement passer d'un portail à un autre. Pour un serveur d'application, c'est beaucoup plus facile de passer d'un serveur d'application à un autre serveur d'application, pas un portail. Faut même pas essayer de l'imaginer. Bon, si, on peut l'imaginer, mais le travail sera vraiment important. Donc voilà un petit peu pour ces principes de portlet, comment ça s'exécute. Donc voilà, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est une exécution côté serveur. Après, les widgets. Donc le principe des widgets, c'est que là, l'agrégation donc va se faire côté client. Donc en fait, il va y avoir du code HTML, JavaScript, Ajax, qui va permettre de consommer des services distants. Donc en gros, ce qui va se passer, le portail va afficher une page dans le navigateur et le navigateur va y avoir donc une widget et cette widget va appeler des services distants, donc qui peut être sur un autre serveur, qui peut être aussi fourni par le portail, mais donc ça va être vraiment côté du navigateur, il va y avoir des nouvelles requêtes qui vont se faire, qui vont permettre d'afficher ces informations. Donc l'agrégation là se fait côté client. Tandis que les portlets, l'agrégation de ces différentes informations était créée côté serveur. Donc c'est une grande différence. Mais on peut utiliser les deux dans un portail. On va pouvoir mélanger les portlets et les widgets. Donc voilà, ces widgets vont être indépendants de la technologie serveur et on va pouvoir utiliser ces widgets au sein d'un portail comme une portlet. Donc en tant que client, donc en client, ça veut dire que mon portail, eh bien, il va utiliser cette widget qui va permettre d'appeler des services distants. Mais aussi, les portails vont être aussi capables d'être le fournisseur de la widget, de fournir le code d'exécution de la widget. Donc souvent en s'appuyant sur Apache Sheading, qui est un projet open source qui permet l'exécution des widgets, du moins de fournir le code des widgets. Donc voilà le principe. Il y a des normes qui sont associées à ces. Donc une norme relativement récente pour le packaging, la configuration des widgets. Et il y a aussi une norme qui a été pas mal utilisée, qui est Open Social Gadget de Google. Donc destinée à la base à faire des widgets pour les réseaux sociaux, mais qui est utilisée aussi pour faire n'importe quel type de widget, et notamment pour structurer la widget. Donc, après, il y a un peu un débat de savoir portlet, widget. Souvent, dans un portail, maintenant, c'est intéressant d'utiliser les deux. Parce qu'ils ont des avantages et des inconvénients, chacun de leur côté. Donc, souvent, les portlets seront utilisés pour créer les composants les plus complexes au sein de notre portail et le plus robuste. Pourquoi ça? Parce que déjà, le portlet va pouvoir accéder à des informations que le portail va fournir. Donc, le contexte du portail, des contextes d'exécution, des choses qui vont être disponibles directement dans la portlet, qu'on n'aura pas accès directement dans le cadre d'une widget. Donc, ça va permettre souvent de créer les portlets, voilà, des composants souvent plus robustes et plus complexes. Les widgets, d'un autre côté, ça va être intéressant pour faire des composants plus légers à base de web standard. Donc, au final, une widget, ça va être juste du HTML et du JavaScript qui va permettre d'appeler des services. Donc, souvent, actuellement, ce sont des composants assez simples, mais ça peut évoluer. Donc, avec tout ce qui est framework JavaScript, on peut très bien utiliser des frameworks JavaScript pour faire des widgets. Par exemple, moi, j'ai déjà fait des widgets avec de l'AngularJS. On peut faire des choses plus ou moins complexes avec des widgets. Mais on ne va pas avoir accès aux mêmes informations dans les widgets que dans les portlets. Les portlets, donc, ont une intégration plus forte avec le portail, donc une interaction directe avec le portail parce qu'elle s'exécute avec le serveur. Il y a aussi la portlet, eh bien,
vu qu'elle s'exécute côté serveur, tout ce qui est gestion d'authentification, elle va être native. En fait, on est dans la même application. Tandis que nos widgets, on peut avoir des problématiques d'authentification parce que on va exécuter la widget qui va appeler un service et ce service est distant. Donc, s'il y a des problématiques d'authentification sur service, il va falloir pouvoir gérer l'authentification de l'appel de ce service distant. Donc, c'est les choses qu'il faut prendre en compte lorsqu'on fait des widgets. Les widgets, elles, seront plus agiles que les portlets dans le sens où on va pouvoir dynamiquement créer la widget sur le serveur de widget, qui peut être le portail ou un autre, et éditer directement le code source en ligne, et ça va être pris à chaud. Et donc, lorsqu'on va afficher une page qui utilise cette widget, ce sera pris en compte dynamiquement. Après, donc les portlets, je vous ai parlé un petit peu de la limitation de la norme GCR 286. Cette norme de portlet, en fait, elle est assez limitée parce que c'est l'équivalent développé en servlet GSP. On fait plus beaucoup d'applications en servlet GSP. C'est pareil, utiliser cette API directement, la GCR 286, c'est assez limité. Donc, il y a d'autres moyens, c'est d'utiliser des bridges vers les frameworks de navigation classiques. Donc, par exemple, des bridges vers Strut, vers GSF, Spring, MVC, GWT. Donc, on va pouvoir utiliser les frameworks web classiques pour créer des portlets plus évolués. Un des problèmes aussi des portlets, c'est qu'il y a vraiment des particularités des portlets à comprendre pour pouvoir développer dans un portail. Notamment, on va avoir des sessions qui vont être particulières à chaque portlet. On va avoir une session HTTP qui va être présente au niveau du portail, mais chaque portlet va avoir sa propre session. Il va y avoir aussi des notions de phase, donc d'action, de rendu, d'événement. Donc en fait, l'exécution d'une portlet peut se faire en différentes phases. Il y a aussi des notions d'instance. Dans une même page, on va pouvoir mettre plusieurs fois la même portlet, et ça peut poser différents problèmes. Il y a des notions de préférence de portlet. Donc ces préférences de portlet, ça va être en gros du paramétrage qui va être lié à la portlet, qui peut être lié à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs, qui va permettre de gérer de la personnalisation. Il y a une notion de cache. Voilà, il y a un certain nombre de choses qu'il faut connaître. C'est pas, il n'y a rien de rédhibitoire, mais qu'il faut bien comprendre pour pouvoir après faire du développement dans le portail. Donc voilà. Côté widget, les problèmes qu'on peut rencontrer dans les widgets, c'est que toute cette intégration va être déportée côté client. Donc on va avoir potentiellement des problèmes de manipulation du DOM, parce que si on a sur une même page plusieurs widgets, il peut y avoir de mauvaises intégrations, de mauvaises interactions, pardon, entre le code JavaScript des widgets. Après, aussi, il ne faut pas négliger que on imagine qu'on a une page du portail dans laquelle on a plein de widgets qui appellent différents serveurs. On va avoir une multiplication des requêtes HTTP. Donc, il peut y avoir après des problèmes de trafic réseau parce qu'on va multiplier les requêtes HTTP. Donc sur des sites à fort trafic, ça va pouvoir être gênant. Après, le point de vue sécurité, le JavaScript est quand même moins sûr que l'exécution côté serveur parce qu'on peut plus facilement remplacer du code JavaScript et faire des choses qui ne vont pas être visibles d'un point de vue de l'exécution. Et donc, on peut avoir du JavaScript malveillant. Le code source aussi est disponible, donc ça va être plus facile d'hacker et de rentrer dans l'exécution de la widget. Après, on a aussi, par rapport au widget, des problèmes d'indexation par les moteurs de recherche. Donc le contenu qui va être généré par les widgets sera difficilement indexable. Donc voilà, donc des problèmes qu'on a dans les portlets et dans les widgets. Donc voilà, donc c'est juste pour vous expliquer un petit peu, comprendre un petit peu les intérêts de ces portlets et de ces widgets. Donc après, maintenant, on va s'intéresser aux fonctions du portail. Donc qu'est-ce qu'on doit attendre dans un portail et quels sont les différents cas d'utilisation d'un portail. Dans quel type d'application c'est intéressant d'utiliser un outil de portail. Donc déjà, les fonctions du portail. Donc ici, un portail, c'est une application web qui s'exécute sur un serveur d'application. Donc, à la base, un portail, on va voir donc ce moteur de portail, il va avoir ce qu'on appelle un conteneur de portlet, donc l'équivalent du conteneur de servlet JSP, qui va permettre de gérer le cycle de vie des portlets et d'exécuter ces différentes portlets dans notre portail. Donc ça, c'est vrai pour la première génération de portail. Donc dans cette première génération, on a ce conteneur de portlet et un ensemble de services
qui sont fournis par le portail. Et moi, ce qui m'intéresse dans un portail, c'est ses services. Un peu comme un serveur d'application. Un serveur d'application, mais il est là pour exécuter des applications. Mais la grosse valeur ajoutée d'un serveur d'application, c'est tous les services techniques qui sont offerts aux applications. Savoir les connexions à la base de données, la gestion de la sécurité, etc. Donc là, c'est pareil. Un portail, son intérêt, c'est ses services applicatifs qui sont fournis dans le portail. C'est pas juste le fait d'exécuter des portlets. Moi, si c'est juste pour exécuter des portlets, ça va pas me servir à grand chose. L'intérêt du portail, il est là. Donc, on va avoir des possibilités de personnalisation. C'est-à-dire, la personnalisation, on va pouvoir, dans une page, choisir l'aspect graphique, par exemple, donc le look and feel, mais aussi choisir quelles sont les portlets qu'on peut mettre dans la page. Donc ça va pouvoir se faire pour chaque utilisateur différemment du portail ou par des groupes d'utilisateurs. Donc, par exemple, les administrateurs ont telle portlet, les utilisateurs normaux auront telle portlet. Ou sinon, chaque utilisateur pourra choisir d'ajouter les portlets qu'il veut. Donc vraiment, ce côté personnalisation, c'est un des atouts du portail. Après, donc voilà, on va pouvoir agréger ces différentes informations dans une page de portail, donc qui proviennent de différentes sources. On a tout ce qui est gestion de contenu, donc qui est fourni par le portail ou un gestionnaire de contenu externe. Donc aussi un des intérêts du portail, c'est de faciliter l'intégration avec des gestionnaires de contenu externe. Donc souvent les portails proposent une solution interne, mais proposent aussi voilà, des moyens de facilement se connecter, donc avec par exemple la GCR 70 ou par l'utilisation de CMS, qui est une norme qui permet d'appeler des gestionnaires de contenu distants par web service. Donc ça a facilité cette intégration. On va aussi retrouver la problématique de moteur de recherche. Donc dans les portails, on va trouver des moteurs de recherche. Donc c'est pas le portail qui développe le moteur de recherche. C'est souvent une technologie qui existe à part. Mais l'intérêt du portail, c'est qu'on va avoir déjà une intégration du portail avec le moteur de recherche. Donc on va pouvoir l'utiliser sans avoir à développer et utiliser directement ce moteur de recherche. Si on utilise un moteur de recherche dans une application, il va falloir créer toute une couche d'intégration. Là, cette couche d'intégration va nous être fournie. L'intégration globale, donc c'est vrai pour les moteurs de recherche, mais c'est vrai aussi pour d'autres technologies. Donc on va pouvoir facilement se connecter, par exemple, à un LDAP ou à des USB, etc. Donc, un des intérêts aussi du portail, c'est qu'on va faciliter l'intégration vers d'autres outils. Après, on a aussi tout ce qui est gestion, et c'est très important, des habilitations. Donc en fait, dans tous les portails, on va avoir moyen de gérer des groupes d'utilisateurs, et associé à ces groupes d'utilisateurs, on va pouvoir gérer des rôles applicatifs, et comme ça, les utilisateurs pourront accéder à telle page ou telle page, accéder à tel contenu ou tel contenu. Donc on va pouvoir gérer toutes ces problématiques d'habilitation dans le portail, et tout ça par de la simple configuration. La plupart du temps, on aura parfois besoin de faire du développement. Mais déjà, on peut déjà faire beaucoup de choses en faisant de la simple configuration. Après, il y a tout ce qui est administration. Donc, un portail, on va pouvoir gérer toute une partie administration, donc notamment de l'administration fonctionnelle. C'est-à-dire quoi ? C'est qu'un portail, en fait, on fait un premier développement d'un portail, il va être livré en production, et à partir de ce moment-là, un portail va pouvoir vivre sa vie. C'est-à-dire qu'un administrateur fonctionnel va pouvoir créer de nouvelles pages et ajouter de nouvelles portlets dans cette application de portail, et petit à petit, comme ça, ajouter de nouvelles fonctionnalités. Et donc, il y a toute cette partie administration qui va être fournie. Donc ça, c'est vraiment les premières générations de portails qui vont permettre de faire ça. Après, on a eu une évolution des portails, notamment, on va dire une deuxième génération, dans laquelle les widgets sont apparus. Toutes les problématiques de collaboration qui sont apparues. Gestion de workflow. Gestion de la prévisualisation. Donc ça, c'est un besoin qui est assez courant dans les portails, qu'on n'a pas forcément dans les applications classiques. Pourquoi ça ? Je vous ai dit justement qu'un portail, il peut vivre sa vie. Ça veut dire quoi ? Que l'administrateur fonctionnel, il veut rajouter une nouvelle page, il veut changer l'aspect graphique du portail. Eh bien, avant de rendre ça disponible aux utilisateurs finaux, ça va être intéressant en fait qu'il voit en prévisualisation ce qui va se passer. Et si ça lui convient, il va pouvoir passer ça en mode production, visible par tous les utilisateurs. Donc ça, c'est un besoin courant des portails, et c'est des choses qui sont normalement fournies par les outils de portail. Et enfin, pour finir, sur les dernières générations de portails, on constate de plus en plus la facilité d'accéder aux réseaux sociaux et aussi tout ce qui est offre cloud. J'en reparlerai un petit peu après. Après, les cas d'utilisation du portail. Donc, tout ça, c'est des cas d'utilisation que j'ai rencontrés dans différents projets.
dans différentes applications. Donc, typiquement, un intranet standard de communication. Donc là, il y a un gestionnaire de contenu qui est là, qui fournit du contenu, et le portail va être là pour présenter des informations, donc des news, des flash infos, accès à des flux RSS, etc. Donc, typiquement, il est là pour présenter des informations de l'entreprise. Après, des applications qui permettent d'accéder à des services. Donc, on a des applications back-end et on veut comme ça fournir les services les plus utiles à l'utilisateur. Donc, par exemple, pour EDF, on va pouvoir accéder, il y a des portails comme ça qui permettent d'accéder aux factures qui sont dans d'autres applications, qui vont permettre de payer certaines choses. Donc, tout ça, c'est des applications qui sont disparates au sein du système d'information et le portail va permettre d'avoir une entrée unique pour l'utilisateur, pour le client. Après, des groupes de travail collaboratifs. Donc là, pareil, des applications qui vont permettre de créer un nouveau groupe de travail dans lequel il y aura un ensemble d'utilisateurs qui vont être inscrits dans ce groupe de travail et on va pouvoir partager des documents, gérer des agendas, gérer du contenu, des wikis, des forums. Donc un moyen de travailler ensemble au sein de cette application de portail. Donc avec un même portail, on va pouvoir créer comme ça plusieurs groupes de travail qui vont travailler souvent chacun sur un projet. On va pouvoir aussi ouvrir ça en extranet pour faire travailler sur les mêmes projets des gens qui sont externes à l'entreprise. Après, on va pouvoir aussi faire de la mutualisation d'applications. Donc ça, j'ai souvent constaté ça, dans lequel il y avait plein de petites applications qui avaient un petit peu un périmètre assez similaire. Et souvent, le portail a permis de regrouper toutes ces applications dans une seule application, avec des thèmes un petit peu différents qui permettent de différencier les mêmes applications. Mais l'intérêt, c'est de créer qu'une seule application qui permet de gérer, en gros, ces mini-sites. Donc un moyen de regrouper des petites applications qui existaient auparavant. Donc pour rationaliser ces applications. Après, la notion de bureau virtuel. C'est aussi un autre cas d'utilisation, qui est peut-être moins courant maintenant, mais qui a eu un succès, il y a plus longtemps, dans lequel ce bureau virtuel, ça permettait aux différents utilisateurs d'avoir accès à leur webmail, d'avoir accès à des documents partagés, à des agendas, et tout ça qui soit disponible de n'importe quel poste de l'utilisateur. Donc maintenant, souvent, tous les outils de mail sont accessibles par Internet. Voilà. Mais à l'époque, ça avait un intérêt de regrouper dans une application unique ces différentes informations et ils pourraient y accéder quel que soit le poste de l'utilisateur, de ne pas être obligé d'être sur un poste bien précis. Des usines à sites. Donc ça, pareil, j'ai rencontré ça chez plusieurs clients dans lesquels ils ont créé en fait une plateforme mutualisée et dont le but c'est d'exécuter plusieurs applications. Et l'intérêt de cette plateforme c'est de mettre rapidement à disposition des utilisateurs de nouvelles applications, donc des applications collaboratives ou autres. Mais comme ça, le socle technique existe déjà, on a des specs et rapidement on crée une nouvelle application, on la rend disponible aux utilisateurs. Donc voilà, l'intérêt, souvent on met avec des méthodologies agiles derrière de travail. Donc un cas d'utilisation intéressant aussi, que j'ai rencontré plusieurs fois. Puis après, d'autres cas d'utilisation. Donc voilà, c'est vraiment une chose un portail, voilà, il est un peu multifacette, on va pouvoir l'utiliser dans différents cas d'utilisation. Après, pour continuer, les différents produits. Donc, on va avoir un certain nombre de produits qui vont permettre d'exécuter et de gérer ces portails. Alors, on va commencer par les gros éditeurs, donc déjà IBM. Donc, IBM propose toute une stack technique, donc toute une offre complète avec une famille de produits. Basée sur WebSphere Portal. Puis après, on a différentes déclinaisons avec plus ou moins de fonctionnalités qui sont fournies. Donc WP Enable, WP Extend, Express pour les PME, etc. Avec un accès à des services de contenu fournis par un produit, donc Lotus WCM. Avec aussi des services d'intégration, par exemple à Lotus Domino, à Quicker, à Semtime. Donc en fait, gros avantage de ce portail IBM, c'est si on a déjà toute une stack de produits IBM, on va facilement s'intégrer à ces produits existants.
Mais voilà. Mais le problème de ce genre de produit, c'est que c'est assez lourd. Voilà, je vous renvoie à la documentation. 4700 pages, faut être motivé pour pouvoir lire tout ça. Voilà, on voit un petit peu ce que ça représente. Bon, c'est en français, donc c'est un peu plus facile à lire, mais je ne m'y suis pas essayé. Des offres de cloud privé aussi, donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Donc, c'est quand même des outils qui sont assez volumineux et qui permettent, c'est surtout une porte d'entrée vers les autres outils de l'éditeur. C'est un intérêt si on a déjà la stack. Mais bon, après, moi, je crois que lorsqu'on choisit un produit IBM, c'est pas forcément pour le produit, mais on choisit plutôt le produit pour l'éditeur. Voilà. Après, dans le même style, eh bien, on a Oracle. Donc, avec, pareil, une suite logicielle WebCenter, avec WebCenter Portal, donc qui joue vraiment le rôle du portail, donc qui permet de faire de la personnalisation de services, de contenu, gérer le look and feel, donc l'aspect graphique. Et après, pareil, l'intérêt de ce genre de portail, c'est l'intégration avec les produits Oracle, à savoir Siebel, PeopleSoft, etc. Ou l'intégration à WebCenter Content, donc un outil de gestionnaire de contenu. Donc en fait, ça s'appelait Stellent avant. Donc c'est un produit qui a été racheté par Oracle. Ou WebCenter Social pour gérer tout ce qui est chat, partage de documents, donc pour du travail collaboratif. Donc voilà, l'intérêt de ce genre de portail, pareil, c'est de s'intégrer facilement aux autres produits de la stack Oracle. Après, d'autres offres du marché. Donc on a notamment Apache Pluto, donc un simple conteneur de portlet. Donc je vous ai dit, moi c'est vraiment pas ce qui m'intéresse dans un portail, que ce soit juste des exécutions de portlet, pour moi c'est pas suffisant. Ce qui est important dans un portail, c'est tous les services qui sont associés. Donc gérer l'aspect graphique, gérer les habilitations, la recherche, etc. Donc ça existe. C'est peut-être bien pour tester, je sais pas. Moi, c'est vraiment pas le genre de choses que j'utilise. Après, on a UPortal. Donc ça, c'est un portail qui est très utilisé par les universités américaines. Bon, et certaines françaises. JetSpeed. Donc, c'est déjà un projet. Donc, c'est un portail du projet Apache, donc un petit peu plus complet. Mais pareil, c'est pas des choses qui vont très loin. Lutèce. Donc ça, c'est la ville de la mairie de Paris qui fait ça. Et c'est un produit qui a pas mal évolué et qui est assez intéressant. Je crois qu'on peut exécuter des portlets, mais en tout cas, il y a vraiment une gestion modulaire d'applications métiers. C'est assez sympathique à utiliser. Donc c'est un moteur de portail libre avec vraiment des fonctions de gestion de contenu et vraiment une gestion modulaire qui sont intéressantes. Donc c'est une solution qui est pas mal. Même le design est assez sympathique. Après, on a aussi Jaya. Donc Jaya, initialement, c'était un CMS qui s'est ouvert progressivement, donc a étendu son périmètre aux fonctions de portail, donc à savoir l'exécution de portlets, mais aussi faire du travail collaboratif, donc avec des forums, newsletters, wikis, gestion donc droit de tout ce qui est habilitation, gestion de recherche, etc. Donc je crois qu'il y a eu un effort assez important des investisseurs qui ont pas mal investi dans cette solution il y a quelques années. Et ça commence à être une solution de portail et pas juste un CMS qui est intéressant. Après, une autre, tout ça c'était des offres open source, celle-là, avant c'était les gros éditeurs donc ils sont payants. Donc là on est dans le monde open source. On a aussi une autre offre qui date de 2009 par JBoss et par Exoplatform. Donc en fait, c'est deux sociétés différentes. Exoplatform, bien, c'est une société française, si je me trompe pas, donc qui est assez intéressante, qui a bien compris ce que doit être un portail, toutes les fonctions attendues du portail. Et ils se sont rapprochés de JBoss, qui est intéressant par tout cet aspect middleware, toute cette force qu'il y a de middleware fournie par JBoss. Et donc, ils ont créé une offre commune qui a un socle commun qui s'appelle Getin. Donc ce projet open source communautaire va permettre d'avoir une base de portail, et sur cette base, chacun va pouvoir apporter sa brique supplémentaire de portail, donc des fonctions complémentaires. Donc voilà, dans ce socle de portail, on va retrouver les fondamentaux du portail, à savoir le respect des différents standards, les différents JSR de Java, l'utilisation de widgets,
de portelettes, de gestion de page, de layout. Donc, layout, c'est toute la disposition qu'on peut mettre dans une page. Gestion de site, multiline, gestion des utilisateurs, des droits, etc. Donc, voilà. Et Exo Platform, lui, a une offre plus avancée sur tout ce qui est fonctionnalité de contenu, de collaboration, de réseau, etc. Donc, c'est une offre qui est intéressante, qui est encore assez récente, mais qui évolue et qui est une offre qui me paraît intéressante aussi pour l'avenir. Enfin, dans ce qui est solution de portail open source, il y a Liferay. Donc Liferay, c'est le produit qui a le plus de succès actuellement, qui est reconnu par le Gartner comme le portail open source de référence, avec un écosystème qui est très important. Vraiment une communauté qui est très forte, avec des événements donc de type symposium, donc il va y en avoir dans un mois ou deux en France, donc c'est pendant un jour une grande conférence sur Liferay, sur tout ce qui s'y passe, des web events. Un intérêt aussi de cette solution, c'est qu'elle est open source, donc avec une licence Community Edition en LGPL, et on a aussi une licence entreprise avec une entreprise, Liferay Incorporation, qui est derrière et donc qui supporte le produit. Ça, c'est quand même une valeur ajoutée qui n'est pas négligeable dans les projets open source. Parce qu'il y a beaucoup de projets open source qui démarrent et puis après, les gens en ont un peu marre et c'est laissé à l'abandon. Là, le fait d'avoir derrière une société, ça assure quand même le maintien du projet. Après, c'est un portail avec une interface utilisateur Web 2.0 qui est quand même plutôt sympathique, moderne, assez conviviale. Après, d'un point de vue développement, il y a des fonctionnalités qui permettent donc d'étendre les fonctionnalités de base du portail qui sont intéressantes, notamment le système de hook. Donc ça existe sur d'autres outils, par exemple dans les CMS on retrouve ça. Ces systèmes de hook, ça va permettre de modifier le portail sans modifier le code source du portail. Donc ça va permettre de modifier le cœur d'exécution du portail avec un développement séparé. Donc le principe, c'est qu'on va créer une web application qui va s'exécuter en parallèle de Liferay, qui permet de modifier le comportement de Liferay. Et s'il y a des problèmes, on supprime l'application et on rebascule dynamiquement à chaud sur l'ancienne version. Donc c'est des choses qui sont assez souples, c'est vraiment intéressant. Après, on a le Service Builder. Donc ce Service Builder, c'est un outil qui va permettre de générer des services, donc de générer du code dynamiquement, donc générer de la configuration Hibernate. Donc on part d'un fichier XML qui décrit une entité en gros, et ça va générer la configuration Hibernate, mais aussi toutes les couches services, métiers, gestion de transactions, etc. Donc un générateur de code, et après on se place vraiment du point de vue d'utilisateur de ce code, et on n'a plus qu'à utiliser les différentes méthodes. On peut aussi générer dynamiquement un certain nombre de méthodes de recherche, etc. Donc ça, c'est un outil assez intéressant. Le plugin SDK, donc ça, c'est les nouveaux modes de développement avec Liferay, donc qui permet de créer des portlettes et de les déployer à chaud, de créer tout ce qui est aussi aspect graphique, donc des thèmes, des layouts, donc un moyen de faire des dispositions, des hooks, donc tout ça avec un déploiement à chaud, donc vraiment une souplesse de déploiement. Après, un autre atout de Liferay, c'est le respect des différentes normes de portlettes. Bon, c'est pas ce qui est le plus intéressant, mais aussi un respect d'un certain nombre de normes open source, telles que CMIS. Donc CMIS, c'est une norme de web service qui permet de communiquer avec des gestionnaires de contenu. OpenSearch, c'est une norme qui permet de se connecter à des moteurs de recherche. Donc tout ça, ça va faciliter l'intégration avec d'autres technologies. Donc c'est vraiment une chose qui, moi, je trouve très intéressante dans un portail. Après aussi, ce qui est intéressant avec cette solution comparé à d'autres, c'est qu'il y a un certain nombre de portlettes, plus d'une soixantaine de portlettes qui sont disponibles dès le départ. Donc vous pouvez essayer, télécharger Liferay, vous dézipez, vous lancez et ça y est, vous avez votre portail qui est disponible. Et vous mettez vos portlettes dans vos pages et en 5 minutes, vous avez une application qui tourne. Après, vous allez avoir besoin de gérer l'aspect graphique, tout ça. Mais si vous laissez ça un peu de côté, rapidement, vous allez pouvoir avoir une application. Donc pour tester tout ça, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, beaucoup de portlettes fournies en standard pour gérer le site, gérer tout ce qui est gestionnaire de contenu, gestionnaire de documents, tout ce qui est collaboratif, etc. Après, tout ce qui est gestion de la sécurité et des habilitations. Donc on va pouvoir créer des sites
et associé à ces sites, on va pouvoir gérer des regroupements d'utilisateurs. Ces utilisateurs vont pouvoir être regroupés au sein d'organisations avec des organisations hiérarchiques d'utilisateurs. Et donc, vont permettre d'accéder à certaines parties du portail et d'accéder à des contenus, etc. Donc voilà, vraiment toute une gestion d'habitation. Avec une intégration facile avec tout ce qui est problématique d'authentification à LDAP ou du SSO par CAS, des gestions d'identity manager. Après, tout ce qui est gestion du cycle de vie du portail. Donc, c'est quoi le cycle de vie du portail? Je vous ai déjà expliqué un petit peu. On fait une première version du portail, on livre en production, et à partir de là, le portail, il peut vivre sa vie, il peut être étendu par un administrateur fonctionnel. Et après, il va falloir faire évoluer ce portail. Donc, on va pouvoir, par exemple, sur un environnement de reset, ajouter de nouvelles choses et exporter ça avec des archives. Donc là, c'est Liferay Archive. Donc pouvoir exporter ça vers le portail de production. Après, une notion de staging. Donc staging, ça va permettre de faire de la prévisualisation au niveau du portail. Donc j'ai dit, ça c'est une brique importante qu'on rencontre souvent dans le portail. On a aussi les notions de marketplace, donc un peu à la Google Play ou l'App Store. Les développeurs vont pouvoir créer des applications et les rendre disponibles gratuitement ou les faire payer et les rendre disponibles à la communauté. Et comme ça, on va pouvoir créer des applications qu'on va pouvoir utiliser, qui ont été développées par d'autres développeurs. Donc voilà, globalement, Liferay, c'est quand même un vrai succès. Il y a ici, un graphique qui montre qu'il y a eu plus de 3 millions de téléchargements depuis le début. Donc c'est quand même quelque chose qui est pas négligeable pour un outil open source de portail. Après, on va falloir quand même arriver sur la fin, puisqu'il ne me reste plus que 5 minutes. Donc un portail en 2014. Alors pourquoi choisir un portail en 2014? La principale raison, il y a eu beaucoup de reproches qui ont été faits sur les portails, et le portail a vraiment réussi à dépasser ses échecs d'avant. Donc en fait, au début des années 2000, on a vraiment eu un engouement excessif sur ces produits de portail. Ils allaient tout faire, ça allait être magique, etc. Donc on a vraiment eu une surmédiatisation de tout ça. Et donc voilà, tout le monde voulait faire du portail. Et ce qui s'est passé, les solutions les moins intéressantes sont disparues, il y a eu beaucoup de rachats, donc il y a vraiment une rationalisation des offres de portail. Et maintenant, ce qui reste dans tout ça, c'est des offres qui sont intéressantes. Pour des aspects plus ou moins différents, mais voilà, on a quand même la plupart du temps des offres qui sont intéressantes. On reprochait aussi que c'était coûteux à acquérir. C'est vrai que moi je me souviens, une licence par exemple WebLogic Portal, c'était 80 000 dollars pour processeur. Faut pouvoir sortir tout ça. Voilà. Maintenant, on a des vraies solutions open source qui sont intéressantes. Et on peut toujours utiliser les solutions payantes des grands éditeurs tels que IBM, Oracle, mais il y a de vraies solutions open source qui sont intéressantes. Après, complexe à mettre en œuvre. Ça reste toujours un peu vrai, un portail, il y a une complexité un peu plus importante qu'une application J2E classique à cause de ses portlets, des particularités du portail. Mais souvent, un portail, c'est compliqué à cause du projet lui-même. Et le projet lui-même, c'est parce qu'on va s'intégrer à de nombreuses applications, etc. Donc, ce n'est pas le produit en lui-même qui est quelque part à accuser, c'est la complexité inhérente du projet dans lequel il faut faire de multiples communications, gérer différents profils d'utilisateurs. Voilà, avoir une gestion qui est complexe, et donc on accusait le portail d'être complexe, mais en fait, c'était souvent le projet qui était complexe en lui-même. Complexe à utiliser, manque de contrôle d'utilisateurs. C'est vrai que les premiers portails, on peut dire que ce n'était pas ce qui était plus convivial. Et voilà, tous ces outils ont vraiment fait des efforts pour la conviviabilité des utilisateurs finaux ou des administrateurs, etc. Donc vraiment, des gros progrès là-dessus aussi. Après, on accusait aussi cycle de déploiement long. On était obligé de bizarrement de créer, du moins d'avoir souvent des grosses applications au livret, donc avec un effet tunnel, etc., bien connu, même sur les applications classiques. Voilà, on livrait une grosse partie du portail. Alors que l'intérêt du portail, c'est quand même
typiquement des applications qui peuvent être modulaires grâce à ces portlets. Mais maintenant, avec tout ce qui est déploiement à chaud, gestion de widgets, toutes les méthodologies agiles, typiquement un portail, ça se prête bien à un développement en méthodologie agile. Et donc, on va pouvoir comme ça facilement créer créer un développement, on livre un certain nombre de portlets, et puis on va pouvoir, dans des cycles différents, livrer de nouvelles portlets, et comme ça, petit à petit, agrandir notre application. Donc voilà. Ces cycles de déploiement longs, pareil, c'est quelque chose qui ont été dépassés et on peut vraiment travailler avec des méthodologies agiles actuellement. Donc voilà, pour conclure, on peut dire vraiment que les promesses du portail qui avaient été faites dans les années 2000, maintenant sont enfin tenues. Donc toutes les fonctions attendues du portail, maintenant on les retrouve dans ces outils. Et il faut vraiment, malheureusement, on n'a pas le temps de voir ces outils en détail, mais moi je vous conseille vraiment c'est de télécharger ces outils, de les essayer et de voir un petit peu toutes ces fonctionnalités qui sont fournies. Donc on a vraiment toute la convivialité qui est disponible, la personnalisation, gestion de la mobilité. Maintenant, beaucoup de portails sont responsive design, donc qui s'adaptent aux différents écrans. Donc c'est des véritables outils de travail centrés sur l'utilisateur, dans lesquels on gère l'information, la collaboration, le social. Alors, maintenant, voilà, on peut réellement gérer intelligemment ce cycle de vie du portail. Pour conclure, sur le futur du portail. Donc, ce portail va toujours rester cet outil d'agrégation qu'on va trouver dans les grandes entreprises. Mais de plus en plus, ça va devenir un outil qui va permettre d'exécuter des applications. Donc, ça va vraiment être un outil de un peu une suite logicielle, avec un peu l'exemple de l'iFrame Marketplace, dans lequel d'autres personnes vont créer des applications et nous on va pouvoir utiliser ces applications simplement sans avoir à les développer ou on pourra facilement après les étendre. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui arrive. Moi j'ai vu aussi des clients qui ont répondu à des appels d'offres qui étaient deux fois moins chers dans la réponse à l'appel d'offres que d'autres parce qu'ils maîtrisaient le portail, parce qu'il y avait déjà des fonctionnalités qui étaient fournies. Voilà. Alors pour connaître un portail, il y a un coût, il y a un premier coût. C'est comme tout outil, il y a un coût pour pouvoir maîtriser ça. Mais après, lorsqu'on maîtrise le portail, eh bien, ça a une vraie valeur ajoutée. On peut réutiliser. L'intérêt de ce genre d'outil, c'est qu'on peut capitaliser sur la connaissance du portail. Après, de plus en plus aussi, tout ce qui est cloud, donc c'est pas lié qu'au portail, mais on a vraiment des offres cloud qui sont intéressantes. Donc pour le déploiement du portail en mode public ou en mode ou cloud privé. Et enfin, des déploiements d'applications donc qui vont fournir en mode SaaS des services. Et ça, pareil, il y a des éditeurs qui offrent différentes fonctionnalités qui sont basées sur des portails existants et qui offrent des services applicatifs. Donc voilà un petit peu le futur, même si ce futur il est déjà très présent, mais vers quoi, à mon avis, on est en train d'évoluer vraiment une plateforme d'exécution d'applications. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour très rapidement. Hein. Donc si vous avez des questions, on n'a pas le temps. Donc désolé. Merci à vous.